Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Alors, une nouvelle vidéo pour une ouverture de caisse à couronne. Donc, ce mois-ci, il y a. Cinemax offre beaucoup de caisses à couronne dans les récompenses journalières. Donc, j'ai récupéré un premier lot de caisses à couronne. J'en avais d'autres en stock, donc c'est pour ça que je vais faire une ouverture. Et après, au cours du mois. Alors, on va aller dans la récompense journalière. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, donc, vous pouvez récupérer une maison de la redoute enchantée, de la redoute de Chantépé, pardon. Et voilà, donc pareil que la dernière vidéo, c'est-à-dire des caisses de la manque d'écailles. Donc c'est ce que je vais ouvrir aujourd'hui, et après bon, au cours du mois vous pouvez récupérer plusieurs caisses du Xanmir. C'est pour ça que je me retrouve dans le désert d'Alikir. Donc je vais découvrir, je suis pas encore allé la visiter, donc la maison qui est offerte. Succès déverrouillé, compagnon décorateur. C'est parti, on va découvrir. Elle est assez grande quand même. Hein. Ah d'accord. C'est une autre sortie, ça, non? Oui, c'est une autre sortie. Ah, mais elle est énorme! D'accord. C'est quand même assez dur à acquérir sans les acheter, les maisons. Bon, on va descendre en bas. On va descendre. Ah, je savais pas du tout que c'était comme ça. Ah ouais, c'est magnifique. Je suppose que là-bas, on remonte. Une chambre, enfin une pièce. Et un louveteau et un bestiau. Il y a de quoi s'y perdre. Alors on remonte par là, d'accord. D'accord. Bon, mais du coup, hop, mettre notre bonhomme s'il veut mettre un peu de musique. Pour cette ouverture, bon, ça va être arrêté tout de suite. Donc, c'est parti. Salutations, mon ami. Alors, j'ai 5 caisses de la main d'écaille. Et une caisse à couronne de l'Ouroboros. Je pensais que j'en avais plus, mais je crois que c'était. Il me semblait en avoir deux, mais j'ai eu deux récompenses, mais ça doit être une emote, là, l'autre récompense, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est en regardant les streams que j'ai eu celle-là. Donc je vais commencer par ouvrir celle-là. C'est parti! Poison mortel à couronne, classique, pierre à caméléon à couronne, classique, pareil, poison mortel. Encore une fois, mon cher ami. Pouvons-nous commencer?
Allez, bon, là, c'était une caisse normale, donc bon, rien de, pas de récompense bien spéciale. Alors, êtes-vous prêt à révéler vos récompenses? Bon, le soin à couronne de vitesse pour les montures, parchemin d'expérience de la caisse de la Côte d'Or, poison mortel à couronne, diamant basique et capuche, un chapeau, capuche à col relevé magnifique. Donc vous savez ce qui est génial, si vous ajoutez un col relevé à une cagoule et un demi-masque, vous avez tout de suite l'air plus dangereux, sinistre et menaçant. C'est ça qui est génial. Bon, les commentaires sont... Allez, hop. Suivante. Choisissez une récompense. Nécessaire de réparation à couronne. Poison extravagant de la Côte d'Or. Et leçon à couronne, vigueur de la monture. Et une imote, viens si tu l'oses. Donc, si tu l'oses, invitez votre adversaire pathétique à venir vous attaquer si il l'ose. Allez, caisse suivante. Faites un choix pour révéler votre récompense. Pas de... rien de particulier. Bon, ragoût vigoureux à couronne. Potion de triple restauration à couronne. Une bonne récompense. Marquage corporel. De chaîne d'os de dragon. Ah ben ça c'est pas mal, j'aime bien. Alors les ossements des Dova possèdent une importance symbolique puissante pour les adeptes de l'anticulte du dragon qui ont créé cet ensemble de tatouages de chaîne d'os de dragon. D'accord. Et personnalité, alors celle-là je l'ai déjà. Érudite. Allez, caisse suivante. Vos récompenses sont prêtes. Alors, teinture vigoureuse à couronne. Pierre caméléon à couronne. Parchemin d'expérience de caisse de la Côte d'Or. Et Imote, je te vois. Prévenez votre adversaire que vous savez exactement ce qu'il prépare. Bon, pour l'instant, beaucoup d'imotes. Pas de famille ou quoi que ce soit. Bon, on va voir dans la dernière caisse. Parchemin d'expérience de caisse de la Côte d'Or. Leçon à couronne vitesse de monture. Bon, ça toutes ces leçons, ça va me... Enfin, moi, je les transfère en game quand même. Élixir de guerrier de la Côte d'Or. Et alors là, on va voir s'il y a encore une émote. Décision. Il ne vous reste aucune caisse. Achetez-en davantage si vous voulez retenter votre chance. Émote, coup de pied de terre. Provoquez votre pathétique adversaire en lui lançant de la terre, d'accord. Bon, voilà, alors, pas une ouverture bien fantastique, en fait. Surtout, beaucoup d'émotes. Voilà. Vous pourrez échanger les gemmes contre des récompenses spéciales dans la boutique à gemmes. Voilà. À la prochaine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'en referai une autre avec bien sûr les caisses du Xanmir qu'on a en récompense hebdomadaire ce mois-ci. Je pense pas qu'ils refassent de live particulier là, parce que bien sûr en regardant des lives sur Twitch et en liant votre compte Twitch à votre compte ESO, vous pouvez avoir bien sûr en regardant les lives des récompenses, notamment c'est très souvent des caisses à couronne. Mais bon, je pense que ce mois-ci, ça m'étonnerait qu'il y ait des lives. Bon, faut attendre ou faut regarder des lives des différents streamers sur Twitch.
Donc voilà, bon, pas une ouverture de caisse à couronne bien fantastique, rien de bien spécial. Mais bon, faut voir que pour le 10e anniversaire, là, depuis le début de l'année, ils font de gros efforts au niveau des récompenses, donc c'est pas mal. Alors moi, ce que j'attends, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, j'avais... demain, moi, pour ma part, demain, j'ai 500 sauts des volontés, donc c'est pas mal pour acheter des familiers. Après, bon, il y a moi ce qui m'intéresse le plus ce mois-ci, bien sûr, dans ce qui me reste à récupérer, c'est les caisses du Xenmir. Et après, bon, il y a le familier pacifique, bon, un cochon à récupérer. Et donc voilà, ça sera tout pour ce mois-ci. Après, il y a 15 000 crédits, bon, c'est pas mal à récupérer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Si vous, par exemple, vous avez fait des ouvertures, vous avez ouvert les caisses à couronne, vous avez eu une récompense qui vous a fait plaisir. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je referai des. Bien sûr, je continue à faire des petites vidéos comme ça. Là, ça me. J'aime bien faire ces vidéos. Et donc voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Allez, salut !